Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message de guérison des blessures émotionnelles. Nous sommes le mardi 6 juin 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, j'ai pigé le contrôle. Mais avant de commencer, merci mes anges de me rappeler votre présence. Merci mes anges de me rappeler votre présence. Merci mes anges de me rappeler votre présence. Le contrôle fait partie de la blessure émotionnelle, l'injustice, n'est-ce pas? Le contrôle, c'est le masque ou la personnalité de la blessure d'injustice. Elle part de la croyance que l'on ne peut pas faire confiance aux autres, à la vie et à soi-même, et que l'on a besoin de contrôler. Le souci, c'est que le contrôle s'oppose à la fluidité, à donner libre cours à la vie, et qu'il peut nous parler dans l'hypervigilance, comme dans une espèce de lutte très fatigante. On ne peut pas tout contrôler, c'est impossible. Comment cela vous parle-t-il? Qu'est-ce qui résonne en vous quand vous écoutez le mot « contrôle » Posez-vous la question et ressentez ce qui émane de vous. Alors aujourd'hui, j'ai pigé cette carte, le contrôle. C'est pour vous inviter à vous connecter à l'élément eau, à devenir liquide et à donner la liberté au canal de la vie en vous. Vous savez, c'est tellement beau de se laisser émerveiller, de se laisser surprendre par vous-même, par les autres, ou par l'existence même, quand vous faites confiance et que vous vous laissez les cadeaux arriver. Ce n'est pas parce que vous avez vécu de l'injustice que vous ne pouvez plus avoir confiance aux autres. Il faut déléguer, ne plus être dans ce contrôle. Aussi, vous pouvez choisir la facilité, la douceur de la vie et danser avec ce qui se présente au lieu de vous bagarrer avec et laisser la confiance comme fil conducteur de votre vie. On va répéter cette phrase 3 fois. Je choisis de me connecter à la fluidité de la vie. Je me laisse guider avec confiance. Je choisis de me connecter à la fluidité de la vie. Je me laisse guider avec confiance. Je choisis de me connecter à la fluidité de la vie. Je me laisse guider avec confiance. Essayez de ne plus être dans ce contrôle parce que ça vous épuise physiquement et psychiquement. Psychologiquement, vous vous épuisez à tout penser pour être dans le contrôle de tout. Ce n'est pas vivable. Allez, on termine avec le message des fées. Et aujourd'hui, j'ai pigé la fée du Sagittaire, donc ça concerne le signe Sagittaire. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Donc ça concerne les Sagittaires. Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain et d'ici là, prenez soin de vous, de ceux qui vous entourent, de ceux que vous aimez,
dans la bonne humeur, dans la tolérance, dans l'amour inconditionnel, évidemment, dans l'empathie, dans la bienveillance. Voilà, et moi je vous embrasse tout fort. À demain.